Pierre, ce bruit. Merci, j'entends. On dirait que tu fais des claquettes. Ça me rappelle tellement des bons souvenirs. On parle de claquettes. T'as vu? Waouh. Et ton boss, il est fort partout. Le talent. Au montage, tu mets un petit peu cri de supporter et tout là. Vas-y. Salut à tous et à toutes, c'est PsychoLucette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Comme vous le voyez, soleil, beau maillot. Beau stade, on est au CERF. J'ai été invité par le jeu FM Football Manager pour tout simplement vivre une journée de tournage sympathique autour du football. Stop ! Pierre, fais une pause. Premièrement, pour toutes les Christina Cordula qui vont être dans les commentaires, oui, j'ai pris du poids. Oh ! À ne pas faire, mais urgent ! Aïe, 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 je vais même pas regarder ! Ça arrive à tout le monde, je suis un homme heureux, je mange. Le gras, c'est la vie. Deuxième chose, les potes, si vous voulez jouer à Football Manager, le lien est dans la description. Si vous voulez faire passer les quarts de finale au Paris Saint-Germain, lol. Si vous voulez, pourquoi pas, refaire gagner la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille ou sauver l'Olympique Lyonnais de cette passe compliquée, ben prenez en main ces équipes-là et faites-nous rêver. Le lien est dans la description, les potes, et profitez de la vidéo. Et j'en profite pour tourner un petit défi avec Vin Sky. Vous le connaissez, il va arriver et on va s'affronter. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que le gagnant des défis pourra vous faire gagner des jeux. C'était pas loin, Pierre. Pas loin, ouais. C'était loin, mais j'ai eu un peu peur. Pour vous faire gagner des jeux FM, donc du coup, restez bien à l'affût. Et puis, on va faire 3 défis foot que vous allez probablement connaître. On va s'éclater. Et puis, ben, vous allez voir un petit peu la journée, comment elle va se passer. Let's go. Tu as vu ça, Pierre? Ouais. D'ailleurs, ton maillot est très approprié au stade. Pourquoi? C'est tout à fait le même pays, tout à fait le même club. Les couleurs aussi, c'est en adéquation. Le grenat avec le bleu. Pourquoi à chaque fois tu me rabaisses, Pierre? Parce que c'est ce qu'il faut. Non, c'est bon, à chaque fois. Tu veux voir un pénalty bien frappé, Pierre? Vas-y, montre-moi ça. Je vais te montrer comment je tirais les pénaltys quand j'étais jeune. C'est-à-dire il y a longtemps. Et c'est surtout à dire à côté. C'est-à-dire le siècle dernier, quand même. Exactement. Petite prise d'élan, l'arbitre siffle. Et là, qu'une seule pensée, le petit filet. Le petit filet droit. C'est un poteau. Ah, il y a des applaudissements. Je faisais un poteau challenge. Ah. Vin Sky est arrivé. Comment ça va? Ça va super, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, on va faire 3 défis, Vince. Ouais. Si tu gagnes un défi, tu pourras offrir une clé à ta communauté de FM. Franchement, beau cadeau. J'ai vraiment envie de faire gagner à mes abonnés, donc je vais me donner à fond. Ouais. Non, pour le coup. Laisse-moi une quand même, s'il te plaît. Ah, ça c'est la chaîne, t'as aucune clé, ça fait pas trop. T'inquiète. Ça serait un petit peu lourd. On va voir. Premier défi. Précision sur le premier défi, les coups francs. Il y a le poteau et un piquet. Si on met la balle entre les deux, c'est 1 point. Si on fait poteau ou transversale rentrante entre les piquets, c'est 2 points. Voilà, facile, c'est parti. Là, c'est typiquement le tournage, on veut se blesser. On s'est pas échauffé. On a des piquets en plus qui piquent beaucoup. ça va pas se lancer. Mais je pense qu'on peut se blesser là. Je me sens pas. Je me sens pas chaud du tout. On doit faire 4 coups francs en plus. Comme ça là, comme ça, froid. Et lui, il s'est même pas chauffé. Hein. Il s'est même pas chauffé. Apprécié. Ah, attends, tout reste. 31 ans, tout frais. Je suis mort. Ouais, ce soir dans le train, il va agoniser. Oui, ça c'est vrai. Vas-y, when you want. Okay. Oh, elle est belle. Elle est magnifique, ton coup franc. Mais elle est pas dedans, là. Si, si, je crois. On va voir la VAR, mais je crois qu'elle est passe pas entre les piquets, en vrai. Je pense que c'est la même que moi, non. Elle est pas dedans. Eh, hey, attends, il y a du niveau, là. Ah, c'est chaud, c'est tendu, c'est trop tôté. Ah, totalement raté. Pas totalement, Pierre. On si. Est pour moi passé au-dessus du mur. Ah. Je crois que pour l'instant il y a 0-0. Ouais. Magnifique. C'est bizarre. C'est l'avion. Ah, pas loin. Je peux tuer le premier défi en mettant ce point là. Ouais, c'est Marc qui a gagné. On sait très bien qu'il va rater. En tout cas, ça, on a été plutôt précis. C'est quoi de cette chose? On sait très bien qu'il va rater. Bon, c'est très bien, t'as même touché la tête du joueur. Ouais, mais je l'aimais pas, il m'a mal parlé. Et non. Elle était belle. Ah, franchement, ça se passe à pas grand chose, mais il gagne sur ce premier défi. On se travaille pour le deuxième. Ouais, premier défi, une clé pour moi. Deuxième défi, c'est parti. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire, ça va être cool. Je gagne. Deuxième défi, crossbar challenge. Chaque fois, c'est pareil.
Crossbar challenge, c'est très simple, on a 4 ballons, celui qui touche le plus de barres transversales gagne le point et donc gagne un jeu à vous offrir, les potes, sur Twitter j'imagine, donc suivez bien le Twitter, c'est dans la description. T'es prêt Vince? Ouais, j'ai la balle, j'arrive. Si va chez la balle, c'est bon signe, ça veut dire qu'il l'a mise à côté. Ah oui, il a fait des crossbar challenge contre Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, donc si je le bats, c'est-à-dire que je suis meilleur que toutes ces stars-là? Non. Facile. Aïe 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 aïe. Je l'ai raté. J'ai clairement vu taper, mais non. Oh, c'est pareil que moi, c'est le même truc. Oh, c'est bien, franchement, les deux premières elles sont très précises déjà. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Non mais attends là, le concours il est trop beau, ça touche pas mais c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. On serait avancé d'un mètre, on aurait tous touché. C'est ça. Mais... Ah, celle-là, c'est la bonne. C'est le dernier, surtout. C'est incroyable. Alvata, ouais, t'es sûr qu'il allait Let's toucher go. Je sentais qu'il allait toucher. Oh le vainqueur. Non mais franchement Vince, franchement, c'est, si les 4 balles elles touchent, c'est pareil. On aurait pu faire un 4-4, on aurait pu faire un 4-4, on était pas loin du 4-4, mais non c'est un 1-0. Mais j'ai volé le point. Alors ça c'était du vol, mais du beau vol. Non, j'aime c'est bien du voler. Vol, c'est juste une victoire, hein, 1-0. Ouais, il te reste encore un défi pour te refaire. Ouais, reprise de volée. Reprise de volée. Let's go. Dernier défi, reprise de volée. C'est-à-dire que je vais lancer la balle à Vince. Vince aura un trampoline et il va me le faire rebondir. Et là, je dois reprendre la balle comme elle vient. J'ai pas le droit à de contrôle ou quoi que ce soit. Elle peut taper une fois par terre si on veut, mais le mieux c'est de reprendre directement. Si tu marques, c'est un point. Si tu touches la transversale, c'est deux points. On a 4 tirs. Celui qui a le plus de points gagne la dernière manche. Oh non! Ah, il est ressorti, c'est bon. C'est peut-être qu'il faut assurer Vince ça. Hein. Ouais non j'ai pas envie, j'ai envie du câble. Ah bah oui mais tu sais on devrait tous. Allons du poteau. Oui, oui. Oh je vais exprès. Faut pas que je donne des noms. Allez vas-y. Oh là là. Ah la première fois peut-être. Non. Ça se moque là. Je dis elle est même pas allée jusqu'au but. Ça va que ça fait environ 8 ans que j'ai pas joué ou pas? Ouais, t'inquiète. Ok. Ah, je le retiens de ouf, mec. Mauvais équilibre. Ouais, ouais, tu, tu te lâches pas dans le ballon, lâche-toi. Non. Je t'en bats les reins, c'est pas vrai. Là, tu vas faire l'avant, ouais. Allez, viens, celle-là. Oh, là. C'est un shot. Oh, je vois. The great. The best one. C'est le best shot ever. Oh les belles. Ah j'assure. Obligé d'assurer le dernier. Bon, dernier défi, autant vous dire que je comprends pourquoi les professionnels ratent leur reprise de volée. Très dur, l'un des gestes les plus difficiles dans le football. D'autant plus que là on a vraiment fait des essais en mode on a ce timing là donc on l'a fait. Tu repars avec un jeu? Ouais, un jeu pour ma communauté. Vu que je suis sympa, je t'en mets un deuxième. C'est vrai? Deux jeux à faire gagner sur tes réseaux, où tu veux, Instagram ou Twitter. Ah, je vais faire Instagram et Twitter. Et bah du coup les réseaux de Vinsky sont dans la description. Yes. Sur mon réseau, bah du coup je m'en offre 3 parce que... D'accord, toi t'es comme ça. Je suis jamais comme ça. Tu t'offres des trucs à toi. Vous aurez 3 jeux à gagner sur Instagram et sur Twitter. En tout cas, merci infiniment FM de nous avoir donné l'opportunité de tourner ici. Et restez bien à l'affût parce que toute la journée là on va faire des trucs de fou. Donc on vous laisse visiter avec la fin de ce vlog. Pas oublier Pierre qu'on est dans un stade où il y a eu un groupe de la mort en Ligue des Champions avec l'Auxerre. Real de Madrid, Ajax. Milan, il l'a dit avant. Je vais refaire. Real de Madrid, Ajax et Milan AC. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que genre à l'Ajax, il y avait Suarez. Au Real de Madrid, il y avait Marcelo, il y avait Ronaldo. Et à Milan, qui y avait à Milan?
La photo qu'on a vue, c'était Ronaldinho. Je crois qu'il y avait Ronaldinho qui était encore à Milan à cette époque-là. On ira vérifier. En tout cas, il y a les photos là-dedans. Et tu dis que bah, les mecs, ils étaient là. Ils ont joué sur ce terrain-là. Et nous, on est là comme des amateurs. Enfin, moi surtout. Hein. Les autres, ça va, tu vas y toucher un peu le foot. Moi, j'ai vraiment abandonné. Et là, ça va être très compliqué, je sens. Ah, je t'ai pas dit, on doit jouer contre des U19. Et des gens qui ont des contrats pro. Ouais, ça va être compliqué. Mais bon, tu me soutiendras, Pierre ? Bah ouais. T'auras honte de moi. T'as bien filmé l'entraîneur. Si, mais je sais pas qui c'est. C'est Robert Pires, je crois. Qui ? Robert Pires, Grimet. Je pense. Très bien. Ça me paraît rien. C'est fier, putain, tu connais pas. Moi, je connais pas le foot, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est un ancien joueur, mec, Arsenal, équipe de France. Après, il t'a toujours du coup. Voilà ma réponse. Ouais, super. Ça va Pierre ? Ça va, fatigué. Ce fut une longue journée hein. Oui, en effet. On a fait plein de choses, on a fait le défi, vous l'avez vu avec Vin Sky, on a fait un gros tournage pour la chaîne de FM, hein. La vidéo sera disponible bientôt. Et du coup, ben plutôt cool. Mais je vous rappelle, hein, sur mon Twitter et Instagram, des jeux à gagner. Sur l'Instagram de Vin Sky aussi et Twitter, des jeux à gagner. Ça vous fait plaisir, un maximum de likes, vous le savez très bien que ça aide la chaîne. Et puis ben voilà quoi, nous. On a compris pourquoi, en tout cas, on n'était pas footballeur professionnel. Ouah, hein. Oh, j'ai plus de physique, je suis mort. Même là, je vais me tenir avec la barrière, Pierre. T'as eu honte de moi ? Un peu, pas plus que d'habitude, quoi. Merci. C'est bon, on peut arrêter la vidéo là-dessus, ça m'a saoulé.